Cela fait déjà 3 ans que les Sussex ne vivent plus sur le sol britannique, mais selon des révélations du Sun publiées ce mardi 28 février, après la sortie du livre du prince Harry baptisé Le Suppléant, le couple aurait reçu un avis d'expulsion émanant du palais de Buckingham. Pire, le roi Charles III aurait pris la décision de confier leur ancienne demeure, Frogmore Cottage, à son frère, le controversé prince Andrew. Un véritable camouflet pour les parents d'Archie et Lilibet, une décision qui semble rendre véritablement pérenne la rupture entre le prince Harry et le Royaume-Uni. Ces péripéties n'empêchent pas la future reine, Kate Middleton, de garder le sourire. Au lendemain de ces révélations, l'épouse du prince William s'est, en effet, montrée rayonnante et très souriante ce mercredi 1er mars. Pour fêter la Saint-David, la princesse de Galles s'est rendue, avec son mari, au 1st Battalion Welsh Guards at Combermere Barrack, à Windsor. Elle a éclaté de rire quand un garde lui a remis un corsage de poireaux. Une telle hilarité ferait presque oublier la décision prise au sujet du prince Harry. Si Kate Middleton se sent si bien, si y est-il parce que cet endroit est un lieu heureux pour elle et son mari. Si y est-il en effet Anne Gulsek qui l'ont vécu juste après leur mariage. Si est-il donc, selon la spécialiste Jenny Bond citée par OK, un lieu très important. Leur séjour à Anglesey a été très heureux. Point Kate pouvait faire un saut au supermarché. Point, ce fut un début heureux dans la vie conjugale pour eux. C'était la dernière fois qu'ils pouvaient mener une vie normale, a-t-elle expliqué. Kate Middleton, Meghan Markle, Prince Harry, découvraient leur évolution physique et la veille, le rire était déjà de la partie ce mardi 28 février, jour des révélations concernant l'expulsion du Prince Harry et de Meghan Markle, Kate Middleton et le Prince William avaient déjà fait une apparition au pays de Galles placée sous le signe de la bonne humeur. Il s'était notamment livré à un concours de vélo. De quoi faire aussi fortement travailler les zygomatiques. Et faire un peu plus oublier Meghan et Harry, loin d'ici aux États-Unis. Article écrit en collaboration avec 6 Media Crédit Photo, agence.